Bon, c'est une histoire qui a démarré. La Mirabelle, elle était bonne cette année. Elle est sensuelle. Elle est sexy. Les femmes, c'est vrai, c'est compliqué. Il y a eu à peine une étincelle. Dans cette étincelle, il a eu le temps de voir une jeune fille d'une beauté. Ah oui, il est pas insensible à ça. Elle s'est déshabillée, elle est entrée dans l'eau, elle s'est baignée. Toute ronde, toute brillante, là, dans l'eau. Je ne crois que ce que je vois. Non mais Père Herzog, vous savez qu'actuellement votre femme est en train de se taper le facteur. Je ne crois. Je vais voir ça tout de suite. Et quand il racontait des histoires, ce conteur-là, souvent, était question du petit bois de Saint-Leu. Ouais, le petit bois de Saint-Leu, un bois magique. Il se trouve où? Oh, il se trouve, il disait toujours, 100 lieues au-delà du soleil levant. Pas pour le petit bois de Saint-Leu. Le pépin, elle avait comme ça protégé du chicrome, elle a continué son chemin à l'intérieur de la pomme, jusqu'à ce que... À l'intérieur de ton estomac, les bonbons, les gâteaux, les saucissons, ça remuait à temps. C'était comme une boîte de nuit. Ça bougeait, ça dansait, ça remuait, ça secouait. Ça, c'était... Et si on faisait le concept d'amour? Un an plus tard, dans le champ du bananier, il n'y avait qu'un seul bananier. Ce qui était remarquable, c'est qu'il n'y avait qu'une seule banane. Mais ce qui était encore plus remarquable, c'est que cette banane, elle grossissait. À bouger, et le rythme est devenu de plus en plus effréné. Elle n'arrivait plus à se maîtriser. Elle bougeait dans tous les sens, de plus en plus vite. Et ses seins, ils sont retournés à Corouba. Mieux, à ton mal est devant. Comment tu l'appelles? Homme, ouais. Ton homme est devant et femme est derrière. C'est mieux. L'homme est debout, oui, bien dressé. Et puis, il brandit quoi? Une espèce de gourdin vers le ciel. Oh, il a l'air conquérant, ouais. Et femme, c'est mieux. Elle est à genoux. La tête baissée. Les mains dans une espèce de bassine. Bon, c'est mieux, mais... Oh, Seigneur, s'il vous plaît. Bah, tout puissant n'avait qu'une idée, hein. C'était dormir. Alors... Il se sentait happé par l'harmonie pour disparaître à tout jamais dans la beauté éternelle de l'instant. Quand il s'est réveillé, il s'est dit, ouf, pas n'importe quel rêve, ça. Là, il a quitté cette vie avec sur son visage un merveilleux sourire.